les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. Bienvenue en ce beau dimanche, jour de soleil, où il est d'usage de mettre une bougie vers 11h30, voyez-vous, c'est pour faire du nettoyage, voilà, parce qu'on en a besoin. Ça y est, j'ai bien retrouvé ma voix, je suis en super forme aujourd'hui. Voilà, à force de mettre des claques, il y a des moments, il faut savoir se reposer un tout petit peu. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire avant de commencer cette vidéo sur sabotage. Et nous allons voir exactement ce qui s'est passé par rapport, vous savez, au gazoduc du Nord Stream 1 et 2, hein, bien sûr. Et peut-être que je prendrai le pendule de Marc Neu, vous savez, ciel et terre, celui qu'il a fait, celui-ci, là, vous voyez, celui que j'adore. Ça représente une citrouille, voyez-vous, et j'adore, je kiffe, moi, ce genre de choses. Avec un petit crâne qui est juste au-dessus. Voilà, il y en a un autre ici, il y en a un autre là. Des petits nonos et un cercueil. Je kiffe grave. Voilà. Alors, je voudrais dans un premier temps saluer Didier Santiago de la chaîne des studios Sky News. D'accord, avec qui j'aurai une soirée le 9... Enfin, j'aurai une soirée, pardon. Nous ferons une émission ensemble, donc le 9 décembre à 20h, voilà. Donc c'est un type absolument formidable, vous savez, moi j'adore les gens authentiques, sa petite femme Christine et, leur fille Christelle. Voilà, pour moi ce sont des gens tout à fait vraiment extraordinaires. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne des studios Sky News, vous avez le lien dans la barre de description et aussi ils ont une boutique ésotérique où vous pouvez trouver notamment les livres de Marc Neu, hein, vous pouvez les retrouver aussi dans leur boutique, hein. Ils ont de très très jolies choses, bon bah allez-y faire un tour, voir ce qui vous plaît et pourquoi pas le commander. D'accord, Didier, oui, vraiment quelqu'un d'authentique. En plus, il fait beaucoup d'interviews de tas de gens à travers le monde. Vous savez, bon, c'est toujours en français, bien sûr, mais comme ça, ça vous met en appétit de connaître certaines personnes, de certaines choses, etc. J'ai la bougie qui commence à œuvrer, là. Elle travaille parce qu'elle sait que je suis au taquet. D'accord, voilà, donc Didier Santiago, topissime. Authentique comme Marc Neu, comme mon amie Valérie Barallo-Cazeneuve, qui est avocate, etc., etc. D'ailleurs, la soirée du 9, il y aura une révélation que je vous ferai en, comment dirais-je, en priorité, d'accord? Ce sera une exclusivité plutôt, je ferai une exclusivité mondiale, puisqu'il y a des choses qui se passent et ça bouge beaucoup pour moi. Deuxio, les amis, je vais vous donner un petit tuyau, d'accord? Le cerveau est très bien fait chez chaque personne. Nous avons tous une baguette magique au niveau cérébral qui se compose de l'hypophyse, c'est une glande qui est devant l'hypothalamus, d'accord? C'est la glande de la dégénérescence ou de la régénérescence, vous voyez, c'est celle qui vous projette dans ce que vous voulez être. On parle là, je ne vais pas vous faire des cours de physique quantique, mais c'est une glande très très importante. Derrière, nous avons le cerveau limbique et l'affectif. Au milieu, nous avons l'hippocampe et derrière, nous avons la glande pinéale ou l'épiphyse 0,116 g. C'est là où est notre baguette magique. Quoi que vous désiriez dans la vie, si vous vous projetez, vous arrêtez les Ducon-Lajoie, enfin, excusez-moi de parler comme ça, d'écouter les uns et les autres, vous, en psycho, on appelle ça le faire comme si. D'accord? Donc, si vous faites comme si vous avez 19 ans et demi, ben, toute votre vie, vous aurez 19 ans et demi. Voyez-vous, moi, je me suis arrêtée à 19 ans et demi. Et puis, le premier qui me dit l'inverse, je lui mets un coup de boule, voyez-vous, ou je lui mets une bonne droite. D'accord? Voilà. Donc, vous faites la même chose que moi. Voilà. Vous n'hésitez pas une seconde. Ou allez apprendre à jouer au rugby. J'ai peut-être monté une équipe, tiens. De nana, hein. Voilà. Ça, je connais bien. Ensuite, vous avez le droit de savoir aujourd'hui, donc, le nom. Chris Sinclair est une marque déposée internationalement. Voilà, je tiens à le dire officiellement. Pourquoi? Parce qu'il y a des tas de choses qui se mettent en place à l'étranger pour moi. Donc, je tiens à vous le dire sincèrement, le nom Chris Sinclair. Ça veut dire celui qui veut le prendre ou s'en amuser ou quoi que ce soit, ben, il aura affaire aux tribunaux directs. D'accord? Et celui qui veut l'emprunter, eh ben, il faudra qu'il paye des royalties. Voilà, je vous le dis parce que c'est fait,
C'est fait pas depuis longtemps, mais c'est fait puisqu'on met des choses en place, comme je vous l'ai dit, à l'étranger. Donc voilà, d'accord. C'est pour moi, c'est très très important. Bon, j'ai fini mon Laïus du jour. Donc nous allons voir par rapport à ce Nord Stream, hein, d'accord, ce sabotage, voir ce qui s'est passé, puis peut-être que je prendrai le pendule à la fin pour faire un petit tour, hein, et voir ça en direct, qui est qui, quoi, qui est responsable de quoi. Ça vous va? Et en douceur, hein, en douceur. On fait gaffe, les enfants, parce que... Ouh là 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 là. Ça va vite, vite, là, sans poursuivre, hein. Donc, dites-moi, hop, ça, c'est les cartes majeures. Déjà, je vois une, deux pays concernés. On va voir qui. Comment ça se fait? Parce qu'en étalant, je vois les choses d'entrée de jeu. Je sais pas, vous savez, c'est à force. J'ai mes habitudes, mes techniques qui fonctionnent. En tout cas, je me plante pas tellement, hein, les enfants. Voilà. Alors, hop, les cartes mineures. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire par rapport à ce sabotage. D'accord, ce véritable sabotage. Voilà. Alors, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire concernant... Alors, je bouge, je... J'ai dit une bêtise. Faut vraiment que je me calme. Parce que je suis dans une énergie. Alors là, s'il y en a qui en ont besoin d'énergie, croyez-moi, je vais leur secouer le popotin. Hein? D'accord? Voilà. Alors, voilà. Hop. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire concernant ce sabotage. Et par contre, je vous garantis qu'en finalité, j'aurai les réponses. D'accord? Voilà. Et puis là, je vais me mouiller. Non, non, j'ai pas dit autre chose. On se calme. D'accord? Je vous vois arriver avec vos gros sabots, là. Hein? Voilà. Et hop. Et puis, apprenez aussi, les amis, ne pas toujours être... Attendez, je vais baisser un peu la caméra. Attends, hop, voilà, comme ça. Apprenez à ne pas être parfait. D'accord? Voilà, vous n'êtes pas parfait, ben tant mieux. Parce que moi, ce qui est parfait, ça me saoule. Voyez-vous? Voilà. Il y a des gens qui se trompent, ben vous vous trompez, c'est pas grave. On a le droit. Voilà. Ceux qui font des remarques sont tarés. Bon, 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 bon. Une bonne gauche ou une bonne droite. Et c'est comme ça que je vis. Voilà. Hop. En général, on m'embête pas longtemps, vous savez. On m'embête 5 minutes, mais à la sixième, je pars dans les... je monte dans les tours. Hein. Vous aussi, j'espère. Donc, c'était bien une trahison. Hein. Une trahison me dit clairement que c'était une trahison d'un pays ami. D'entrée de jeu. Vous entendez bien? C'est une trahison d'un pays ami. Le voile est en train de se déchirer. Il y aura un changement radical. Bon, les choses, si vous voulez, on était au monde des fous, etc. Donc, ça a bien été provoqué par un pays ami. Vous commencez à comprendre? Voilà, on va aller plus loin, vous inquiétez pas. Ça va tout sortir. Et puis alors là, c'est bien le jour, je suis en pleine forme. Alors là, voilà. Gros bisous à Brigitte, hein, je t'appelle demain pour le traitement, merci. Elle vit dans le sud, ma Brigitte, avec Michel, son petit mari que j'adore. Ce sont des amis proches. Donc les choses vont s'écouler, bien évidemment, et là ça va sortir, changement radical par rapport à la folie des hommes, pensant qu'ils n'allaient pas être vus, voyez-vous. Enfin c'est tellement gros, c'est tellement gros, mais c'est tellement gros, franchement. Non mais c'est vrai quoi, flèche-main, comme diraient nos amis québécois. Ouais. Alors là-bas, au Québec, toutes les femmes s'appelaient Francine. Et à l'époque... Quand j'étais, bon, on m'avait, c'était Monsieur Roberge à Sherbrooke qui m'avait dit, Chris, si vous voulez venir habiter, mais il faudra vous appeler Francine. Ben, j'ai dit, ben non, j'ai pas une tronche de Francine. Mon Dieu. Excusez-moi. C'est pour la petite histoire. Il faut bien mettre un peu d'humour dans ce monde de crotte de bique. Alors, il y a bien eu de l'argent qui est bien passé. Il y a eu des détournements d'argent, une prise de décision par des gens ennemis. Bon, là, je veux dire, ça va sortir clair. Hein. En plus, j'ai la lune et le soleil l'un à côté de l'autre, si vous voulez. Donc, tout va sortir. Effectivement, vous apercevrez que j'ai raison. Et je vais vous donner là, parce que là, ça commence à arriver, le nom des pays qui ont été concernés par cette histoire. Ou qui l'ont provoqué, bien sûr, bien sûr. Parce que vous savez, on est tellement bêtes, voyez-vous. On est tellement bêtes. Voilà, bon. Alors, c'était bien pour...
C'était bien pour embêter la peste aux étoiles, hein, puisque là nous l'avons ici, hein, c'était dans un but de manipulation qui était provoqué. Ben, le briquaton était bien à l'intérieur. Bon, là, ça ressort. Voilà, il va y avoir la rupture par rapport à ces pays-là, de toute façon. Vous savez, les anglo-saxons ont toujours été considérés comme la petite sœur de l'Amérique. Je vous le dis pour avoir vécu là-bas. On les appelait les grandes oreilles du bidon. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, eh ben, écoutez, il y aura un blocage et une rupture par rapport à ça. De toute façon, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Par contre, là, je vois autre chose, mais qui n'a rien à voir avec ça, mais on en parlera après. J'espère, si j'ai le temps et si je me rappelle. Vous savez, je ne sais pas, j'ai que 19 ans et demi, je peux l'oublier. Alors, là, ça me dit clairement, ça va sortir, hein, de toute façon, ça va sortir de tout azimut, comme le fils-fils ou toutes ces choses-là, bon, qui vont sortir les unes derrière les autres. Mais vous avez pu remarquer, ça ne les empêche pas de continuer dans leur délire, hein, voilà. Parce qu'on nous prend, on est vraiment des imbéciles. De toute façon, ils en ont rien à foutre de vous, hein. Mettez-vous ça bien dans la tête. Vous avez vu aussi, notamment, j'avais raison, donc ils s'en prennent aux banques, au domaine privé et aux entreprises maintenant. Il paraît qu'ils veulent éliminer les entreprises. Bon, ben, ma foi, les entrepreneurs qui avaient voté pour cette chose, voilà. Vous voyez ce que vous avez à faire. Donc, trahison, vous avez bien entendu, trahison sur le plan professionnel, qui me dit que c'était des gens qui travaillaient avec, ben, où était le Nord Stream, Allemagne, hein, bien évidemment. On va pas parler du monde de Poupou, là. D'accord? Il y a bien eu deux. C'est une histoire financière, etc. Donc, c'est une histoire de l'eau.bi, hein, qui était à la manœuvre des projets, d'accord, des projets qui ont réussi dans un premier temps, ça on le sait, pour le mettre à l'envers au pays des Germans. Hein, au pays des Germans. Et puis là, on a vraiment un triomphe dans ce qu'ils ont fait. Ben, écoutez, ils l'ont fait. Apparemment, ça a été remis en place, non, de ce que je sais. Oh, mais c'est bien d'aller voir un peu, d'interroger les éléments. Allons-y gaiement. Je suis open mind aujourd'hui. Voilà. Alors. Donc, c'était bien. Bah, écoutez, là, c'est clair, il y a un changement. Prudence par rapport, je dirais, au monde du bidon, il ferait bien d'être prudent maintenant à l'eau.t.a.n, mais surtout, au grand surtout, la c.i.a. D'accord? Parce que là, c'est là où est le gros, gros, gros problème. Donc, qui s'adresse au monde. Bon, écoutez, pour moi, si vous voulez, c'est une histoire qui va avoir un arrêt net, de toute façon. Et ils vont essayer, puis ils n'en parleront plus, parce que vous savez que les journaleux manient point pull, hein, vous avez entendu, bon, au parlequiment, on a entendu toutes les conneries qu'ils disaient. Bon, ça arrive. Voilà, on est parti dans une histoire de, comment dirais-je, on se croirait dans le monde de Titine, vous voyez-vous, un peu Bécassine, Martine, tous ces trucs-là, voyez-vous. Oh mon Dieu, insulté! Vous voyez-vous, on est dans une histoire de, bon, de, ben, écoutez, tapez-vous dessus et puis foutez-nous la paix. Ça intéresse plus personne d'ailleurs. Hein? Donc là, je vous le dis, il y a bien une rupture. Qu'est-ce qu'il a à foutre là, lui? Attendez, excusez-moi, parce que là, il y a quelque chose qui sort que je n'avais pas prévu dans mon programme. Donc, il y a bien une rupture par rapport au monde. Écoutez, moi, j'ai un problème. Alors là, ça n'a rien à voir. Et pourtant, il fait partie. J'ai un gros problème avec le pape, mais je vous avais annoncé qu'il tomberait malade et compagnie. Mais j'ai un gros problème, comme une rupture avec ça. En fait, si vous voulez, ils sont en train de faire une nouvelle. Comment dire, religion, hein, quelque part, avec la démocratie. Voilà, c'est une nouvelle religion où on doit tout accepter, voilà, de A à Z, en ne bronchant rien. Donc, j'ai vu aussi qu'ils voulaient donc supprimer tous les réseaux, hein, dits sociaux. Voilà, on va voir jusqu'où ça va aller. Bon, enfin, c'est ainsi. Alors, là, je vous dis, il y aura un problème avec le pape, hein. Bon, alors on va apprendre que du côté du pape, alors je ne sais pas par quel truchement, mais ça va sortir où on va l'accuser d'escroquerie. D'accord? Le but, ça va être de couler le vati.com.
On est clair, voilà. Alors que ça se fasse ou pas, personnellement, je suis plus. Alors je l'ai été, hein. Vous savez qu'à, enfin, il y a très peu de gens qui le savent plus tôt. À 17 ans, j'ai vécu dans un couvent, hein. D'accord, dans le sud de la France. Et donc, ça m'aurait sans doute heurté aujourd'hui beaucoup moins quand je connais la véritable histoire du Vatican. Voilà. D'accord? Ensuite, donc, concernant ce truc, alors, concernant ce truc, il y a bien eu des projets sous-jacents pour faire les choses. Bon, ben ça, c'était une certitude. Il y a bien eu un rapport de force. Et puis là, ça me dit, clairement, ça a été, oui, ben, ça a été une décision de la peste aux étoiles elle-même. Vous entendez bien? Ça a été une décision de la peste aux étoiles elle-même de faire ce genre de choses. Alors, je suis désolée, mes amis, légèrement. D'accord, je vous dirais, mes amis légèrement, ils vous ont balané, hein. D'accord, l'Ursulette en tête, hein. Si vous pouvez lui en mettre une coller une de ma part, je compatis, je vais avec vous, voyez-vous, voilà. Mais là, clairement, ça a été décidé de cette action pour faire croire à Luc qu'il n'a plus de roi. Vous avez bien entendu, maintenant qu'on n'en parle quasiment plus. Parce que tout le monde n'est pas dupe de ce qu'ils font de l'argent qu'ils reçoivent. Oui, soudainement, il faut leur donner des chèques en blanc, etc. Alors que nous, nos petits vieux, ils n'ont rien de quoi, ils n'ont pas de quoi se nourrir, mais c'est pas grave. Voyez-vous, on est dans un monde complètement. Et puis alors, de voir les gens qui n'arrivent pas à ouvrir les yeux, j'arrive pas à comprendre. Mais enfin, après tout, chacun le voit à sa façon, hein? Donc là, c'est les banques, les banques, les banques, d'accord. Ah ben non, c'est l'Ursulette et la Christine, la gardienne du temple satanique, évidemment. Il y a bien eu une symbole de la Trinité satanique, hein, parce que la Trinité, vous pouvez l'avoir du côté religieux, christique, mais vous pouvez l'avoir aussi du côté ésotérique, et vous l'avez aussi du côté satanique, d'accord? Et là, nous l'avons bien en décision du côté satanique pour créer une illusion, d'accord? Pour une prise de décision qui allait embêter toute la population. De toute façon, le but était clair, que le monde du bidon nous vend ce gaz à des prix hors normes, bien évidemment, pour nous mettre dans la scoumoune, voyez-vous? Tout ce qu'ils font, c'est des tests. Alors, je reviens. C'est bien les hurluberlus du DA qui n'a plus de vos. D'accord? Là, je suis claire. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a bien un contrat, d'accord, il y a eu un soutien financier par rapport à un contrat. Bon, alors là, pour vous, ça ne vous parle pas, mais moi, ça me parle de la croix de Saint-Georges qui me dit que la Grande-Bretagne est dedans, d'entrée de jeu. Voilà, pourquoi vous ne le voyez pas, mais moi je le vois. Enfin, des gens peuvent le voir aussi, hein, il n'y a pas que moi, mais là je vois la croix de Saint-Georges. Là ça me parle clairement qu'ils sont impliqués dedans. Donc on va voir après. Donc, c'est une question de dualité, de mettre de la dualité pour l'inflation, vous savez, pour augmenter l'inflation et mettre les gens plus bas que terre. Le but, tout va bien normalement, ils ne seraient pas là. Il n'y aurait pas de problème, mais avec ces gens-là, il n'y a que des problèmes. Alors ici, là, voyez-vous, j'ai l'Ursulette, non, j'ai la Christine, la gardienne des temples sataniques, et ici, nous avons l'Ursulette, d'accord? L'Ursulette est toujours là, et vous me demanderez pourquoi, ben parce que elle est protégée de partout, ils ont mis à la tête de partout des gens pour essayer de la protéger. Mais ça commence à sentir mauvais, ben, droite à tête, ça va tout azimut dans les magouilles parce que tout sont révélés. C'est pour ça qu'ils vont tenter de supprimer tous les réseaux dits sociaux. Voilà. Donc, à voir comment on va vivre après, etc. Hein? Donc, déjà, on sait cela. Hein? Donc, je vais poser la question. Hop. Alors, avec le pendule de Marc Queneau, d'accord? Allez. Je pose la question, est-ce que les Brita Poanic, oh, faut pas que je parle comme ça, est-ce que ils sont mêlés dedans, voyez, je veux dire quoi? Voilà, bah écoutez, là on a la réponse claire, d'accord? Bon, très bien. Est-ce que là, nos amis suédois sont impliqués dedans? Non. Bon, est-ce que l'Ursulette est impliquée dedans? Oui. Bon,
Est-ce que Poupou est impliqué dedans? Pas du tout. Alors là, c'est direct. Est-ce que le bidon est impliqué? Enfin, le pays, hein, du bidon, en fait, toute la cour derrière aussi. Bon, vous avez nos amis anglais, le monde du bidon, l'Ursulette qui sont impliqués dedans. Est-ce qu'on va continuer à faire venir du gaz dit liquéfié? Est-ce qu'on va... Oula! Samedi, ça commence par oui, donc il va y avoir un arrêt par rapport à ce genre de choses. D'accord? Donc les choses vont être révélées. Est-ce que les réseaux sociaux vont être coupés en totalité? Ça me dit non, ils n'y arriveront pas. D'accord? Voilà. Et est-ce que nous pourrons toujours communiquer? Voilà, ben oui. Donc apparemment, c'est trop tard. Je confirme à YouTube, merci de nous aider, voilà, dans ce sens, parce que si on ne vous avait pas, on serait bien dans le caca. Voilà. Donc, je vais poser la question. Est-ce que tout va se retourner contre nos amis les Anglais? Alors, j'aime beaucoup les Anglo-Saxons, hein, ou les... Oui, les Anglo-Saxons, voilà, j'aime bien. À titre personnel, bon, je les connais bien. Et puis j'aime beaucoup d'autres personnes, enfin voilà. Au niveau du business, si vous voulez, voyez, au niveau... Ce n'est pas des gens qui font dans l'affectif du tout, d'accord? Ils sont dans les affaires. Alors moi, ce que j'aime bien, vous savez, quand j'étais en Angleterre, j'avais parallèlement ce qu'on appelle en Belgique un cote, un petit cote, c'est un petit studio, où j'avais gardé en Belgique, parce que à la fois, je me marrais bien en Belgique, voyez, et parallèlement, je travaillais en Angleterre, sur le Royaume-Uni plutôt, on va dire comme ça. Et donc, je faisais la navette beaucoup avec l'Eurostar. Voilà, ça se faisait beaucoup là-bas. Hein. Beaucoup de gens travaillent à Bruxelles et rentrent en Angleterre le week-end. D'accord? Voilà. Donc, la question, est-ce qu'ils sont inclus? Est-ce que, comment vous dirais-je? Est-ce qu'ils vont être accusés, mis sur le banc? Voilà. Publiquement, j'entends. Alors. Est-ce qu'ils vont être accusés et mis sur le banc? Il y aura une lumière sur retard avec des doutes, contrats. Est-ce qu'ils vont être accusés et mis sur le banc? Colère. Bon, écoutez, pour moi, il va y avoir beaucoup. Alors, voilà. Donc, j'ai une issue favorable, mais vraiment sous retard par rapport à cette situation. Voyez-vous, nous avons des lots point B qui sont bien juste à côté. Les sentiments vont être ménagés parce qu'ils ont tous peur que ça sorte. Bon, une invitation sur retard, je pense, sur le plan juridique ou sur le plan international, etc. Et là, ça me dit clairement, il y a des pouvoirs financiers qui auront des difficultés. On en aura la lumière, mais pas pour l'instant, si vous voulez. Les contrats vont être établis, etc. Mais si vous voulez, quelque part, on a tellement l'habitude de leur carabistouille et de leur méchanceté aux uns et aux autres, que je vous dirais, là, ça va poser un problème de plus en plus. Mais nous avons derrière un pouvoir financier, ben, la banque dite centrale, d'accord, avec la gardienne du temple satanique, d'accord, qui est bien là, voilà, hein. Bon, ensuite, je vais poser la question. Est-ce qu'on va demander, comment vous dirais-je, non, est-ce que l'Ursulette va être bientôt accusée publiquement? Accusée, il faudrait donc que ce soit encore plus violent que ça. Est-ce que l'Ursulette va être bientôt mise au banc du public et qu'elle ne pourra plus rien faire, qu'elle sera pieds et poings liés? Alors, est-ce que l'Ursulette va bientôt être mise au banc? Et ne pourra plus. Alors, il y a une invitation. Donc, qui me dit invitation, me dit clairement, il y a une convocation qui va avoir lieu. Projet des banquiers, nouvelles. Alors, il y aura, mais pas maintenant. D'accord? Les pensées s'équilibreront. Des contrats. Bon, il y a des choses qui vont sortir, les enfants. Concernant l'Ursulette, nous avons toujours un pouvoir financier. Alors, je vais vous dire quelque chose et vous bien vous l'entendiez. Bricaton, Ursulette, il y en a d'autres. Hein. Il y en a un qui est au Danemark, je crois, enfin, du même style. Il y en a d'autres à droite, à gauche. Tous ces gens-là
sont des marionnettes. Mais ça, je pense que vous l'avez compris. Et quand il y a des marionnettes comme ça, alors ils flambent, ils se la pètent, ils font ce qu'ils veulent. Mais au bout du compte, je vous dirais, il va se passer un phénomène que ces gens-là, à un moment donné, seront de trop. D'accord? Et quand on a des gens de trop, on les fait disparaître. Donc, ça me dit clairement, nouvelle d'un projet sur le plan, il y a les banques qui sont derrière, ou de la banque centrale, hein, de toute façon. Et là, clairement, si vous voulez, oui, sous retard, nous aurons tout ça, ça c'est sûr, mais pas maintenant, les contrats seront dévoilés. D'accord? Mais pas que. Je vous le dis sincèrement et je vous parle du fond de mon cœur. Je vous dis, et regardez bien ce qui va se passer. Là, j'ai remarqué, j'avais raison de vous le dire, tous les jours, nous avons des artistes ou des, à travers le monde, hein, des artistes ou des gens de haute volée qui disparaissent. Eh ben, ça va aller encore plus violemment maintenant. D'accord? Il y en aura encore plus de gens qui vont disparaître du jour au lendemain, des gens qui dérangent. D'accord? Ça, je vous le dis, je vous le mets bien en amont. D'accord? Donc, bon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous allez assister, on va vraiment assister à ce qu'on appelle une pièce de théâtre. Mais alors, ça va être coton, hein? Là, ça va être coton. C'est pour ça que je vous dis, paniquez pas. Restez tranquille. La seule chose qui m'effraie, c'est qu'ils vous disent, le Darmanouche, un truc par rapport, il faut renvoyer les gens chez eux, voilà. Et puis de l'autre côté, il va vous dire, maintenant, il faut en faire venir des milliers. Voilà. Donc, il y a quelque chose là qui ne va plus. D'accord? Voilà, même dans leur langage, là, ils se dévoilent littéralement dans ce qu'ils veulent faire pour nous. D'accord? Ou contre nous, plutôt. D'accord? Voilà. Alors, les amis, je vous souhaite une bonne journée. Donc, on a déjà tous les éléments. Vous savez exactement ce qui s'est passé. On va continuer dans ces trucs-là un peu délirants, hein, puisque allons-y gaiement les sujets, il y en a plein. Hein, d'accord? En tout cas, merci pour vos pouces bleus, vos likes, les partages et surtout les abonnements. Vérifiez les abonnements parce que beaucoup d'entre vous me dites que vous avez été des abonnés alors que vous n'avez rien fait du tout. Alors, pour le référencement, vous savez, la chaîne, c'est très très important. N'oubliez pas d'aller voir Didier Santiago sur la chaîne des studios Sky News parce qu'il y a plein d'intervenants qui expliquent leur boulot dans le domaine ésotérique et tout ça, et c'est que des gens de renom, donc vous ne serez pas déçus du voyage, et voilà. Et ils ont une boutique aussi ésotérique qui va sans doute vous convenir. Voilà. Eh ben, écoutez, moi, je vous souhaite une délicieuse journée, d'accord? On se retrouve demain pour d'autres aventures. Ça, c'est une réalité pour l'instant. Gros bisous tendres, ne soyez pas sages, et déchaînez-vous, collez-en, ça me ferait tellement plaisir. À demain!